Alors, je m'appelle Amel Ketroussi de chez Aka Fashion Atelier. J'ai travaillé dans mon textile et j'ai vu l'envers du décor qui m'a assez déplu au niveau éthique et humain. Et du coup, je suis revenue à la création, mais à mon niveau, de manière plus éthique et plus soucieuse de l'environnement. Donc en fait, j'ai deux lignes. Une ligne de création pure, qui est basée sur le concept Mommy and I, donc parents ou adultes et enfants coordonnés. Et j'ai une deuxième ligne qui est exclusivement du upcycling, transformation et détournement textile. Ça peut être du vêtement, comme ça peut être un rideau de douche, une housse de coussin, enfin voilà, tout ce qui est textile, tout ce qu'on peut couper et coudre. J'anime des ateliers créatifs pour adultes comme enfants, pour leur apprendre à transformer, à détourner ce qu'ils ont à la maison. Et surtout qu'ils se rendent compte de leur capacité créative et de prendre conscience qu'ils ont vraiment des trésors autour d'eux et de ne plus jeter, de transformer et donner une deuxième vie ou une troisième vie à ce qu'ils ont à la maison. Alors, un rideau de douche, on peut faire un imperméable, on peut faire un chapeau de pluie, on peut faire aussi une espèce de sac qu'on peut mettre facilement avec des petits ficelles sur le dos pour aller à la piscine, au sport ou autre. Avec un sweat, on peut faire une housse de coussin, on peut faire un tote bag, on peut utiliser les manches pour en faire des sacs à pain ou à baguette, c'est pratique, ou pour faire des pochons aussi. Alors le jean, je peux faire aussi une housse de coussin, un sac, en réutilisant la partie des hanches. Les jambes sont super parce qu'on peut faire énormément de pochettes diverses et variées. Le jean, c'est magique. En fait, on peut même faire des superbes tapis. En prenant le jean, en coupant à lanière, en fait, et on s'amuse à tisser, on peut faire des attrape-rêves. Le jean, c'est infini. Parce qu'en plus, c'est une matière, quand la coupe, elle s'effiloche. Et c'est justement ce côté un peu joli, un peu délavé. Et on peut jouer avec deux jeans. Enfin, c'est super, le jean. Quelqu'un qui ne se sent pas l'âme créative, il faudrait qu'il se reconnecte au petit enfant qu'il a en lui. Quand on était petit, on jouait des fois avec des bâtons, des cailloux et autres. Et en fait, il faut juste regarder autour de soi ce qu'on a avec un regard qui n'est pas au premier degré. Quand je vois par exemple une housse de coussin haute, je ne vois pas ça comme une housse de coussin. Je le regarde en essayant d'imaginer les possibilités. Qu'est-ce que je peux faire? Ça ressemble à quoi au niveau volume? On va toucher, on va tester. Il faut s'amuser en fait. Il faut s'amuser. Et plus on fait, plus on devient créative. Alors, la phrase qui me fait aller de l'avant, c'est recycle ta vie. C'est pas seulement au niveau créatif en fait, c'est au niveau philosophie de vie vraiment. J'ai toujours dit les plus belles plantes poussent sur le bon compost qui souvent sent assez mauvais. Moi je prends vraiment tout. Le mauvais c'est super, c'est un très bon engrais pour faire des choses créatives. Il y a le côté ingénieux aussi qui est très important. Faut pas chercher la facilité. Voilà, alors là on a mes t-shirts qui est très graphique et on va s'amuser avec et vous allez voir ce qu'on va faire avec. On a coupé notre t-shirt, on a coupé le col, la partie des manches comme vous voyez ici et le bas en fait, on s'est amusé à faire des petites franges sur le bas et vous allez voir ce que ça va donner. Donc après un petit peu de patience et beaucoup de petits nœuds, le t-shirt, donc vous avez vu le haut, donc on a bien vu comment on l'a coupé, et la partie du bas où vous voyez les petites franges auparavant, et bien je l'ai utilisé, j'ai fait des doubles nœuds, donc ça fait le fond de votre sac. Et donc là, ça y est, vous pouvez utiliser votre sac ou de ce côté, donc si vous aimez bien les petites franges, ou bien vous le retournez, et si on le retourne, ben on n'a plus du tout aucune trace, c'est comme s'il était cousu. Donc vous pouvez me retrouver sur Aka Fashion Atelier, sur Facebook, Instagram, Twitter et aussi sur akafashionatelier.com pour participer à d'autres ateliers comme ceux que nous allons faire avec Comme Avant, ou aussi si vous voulez que je vienne transformer de nombreuses choses chez vous pour ne pas jeter et donner une deuxième vie à vos affaires. Voilà, merci.